Bonjour. Bonjour. Isabelle, c'est vrai que ces professionnels, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Quand on leur propose des choses nouvelles pour voir comment ça peut s'organiser. Vous avez été à ce salon-là, il s'appelle comment ? Il s'appelle Équipe Mag, qui, comme son nom l'indique, concerne tous les équipements de tous les magasins, tous les points de vente, y compris, bien sûr, la grande distribution. Il se tient tous les deux ans. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Évidemment, tout ce qui concerne directement les magasins. Alors, ça va des scanners de caisses enregistreuses en passant par les vitrines réfrigérées. Et puis, on y trouve aussi ce qui intéresse directement le client. Parce que sans client, évidemment, il n'y a pas de magasin. Or, le consommateur, aujourd'hui, il veut une grande distribution plus humanisée. Il veut des rayons moins hauts, moins droits. Il veut des allées moins larges. Il veut pouvoir gagner du temps. Il veut de la chaleur, de la convivialité. Il veut des lumières moins fortes. Exactement. Mmh. Il veut de la couleur. Il veut un univers un peu plus chaleureux. C'est vrai que c'est assez froid, un hypermarché. Il veut, évidemment, comme toujours, beaucoup de choix, du temps. Il veut tout. Évidemment. Il veut comme un magasin de ville. C'est ça, mais avec le même choix qu'un super ou qu'un hypermarché. Ouais. Et il veut toujours de plus en plus de services. Donc nous avons sélectionné un certain nombre d'exemples qui nous concernent, nos consommateurs, directement et qui ont été conçus pour nous améliorer le quotidien, pour nous faciliter la vie. Regardez, c'était au salon, évidemment. Il s'agit d'une borne d'information pour le consommateur qui va lui permettre de s'orienter dans le magasin tout en bénéficiant des différentes promos. Par exemple, au niveau des boissons, on va pouvoir récupérer la localisation de jus de fruits. On va pouvoir, par exemple, aller au niveau de la crèmerie chercher des yaourts. On va également récupérer dans des prospectus des marques d'électroménager, par exemple. Et je vais pouvoir également avoir des recettes de cuisine. Je vais pouvoir concocter un émincé de saumon et donc rentrer dans le magasin en ayant imprimé la recette avec la liste de courses pour pouvoir réaliser ma recette. Voilà, donc une expérience nouvelle en matière de consommation.